Eh bien bonsoir mes loulous, c'est Tonton Tomic, et on est sur un jeu que je connais plutôt bien, parce que j'y avais joué sur la Xbox One avec la caméra à reconnaissance de mouvement, c'est-à-dire qu'on pointait son doigt sur l'écran et puis bam bam bam, on tirait. Et là ça change, parce que du coup c'est avec la manette, on a un réticule de visée. On va voir si c'est assez instinctif, j'espère, ouais. On peut quand même le bouger aussi comme ça. Incliné, c'est sûr que ça va plus vite. On verra. Donc on a le mode histoire, on a le mode arcade. On va avoir d'options quand même si on n'oublie rien. Dialogue, bruitage. On va baisser un petit peu parce que j'ai peur qu'avec ma voix, on n'entende pas assez. Ça risque d'être un peu violent. En foutard, 74, allez, c'est bien. Voilà. Rejouer le tutoriel. Non, on va pas faire le tutoriel. Je connais. On va y aller cache. Vibration, oui. Sous-titre, oui. À rejouer le tutoriel, ben s'il va me le faire jouer. Bon, c'est pas grave. Valider, retour. Hop là. Allez, mode histoire, c'est parti. Solo, c'est bon. En normal, ok. Difficulté anormale. Vous verrez, il y a beaucoup d'humour dans ce jeu-là. Donc c'est un rail shooter, hein. Oui, j'ai oublié de le préciser. Allons voir, changer d'arme à triangle, d'accord, ça c'est bon à savoir aussi, recharger et maintenir pour se planquer. Quelle toute ressemblance avec des personnes. Le rang décédé serait que pure coïncidence, voire même un tas de mensonges. Et par l'inquiétude, les autorités savent que vous avez payé ce jeu et des vérifications de toutes les déclarations seront effectuées afin de maximiser. Votre plaisir en gros, allez. Alors gaffe à toi, fripouille. Si, je l'ai bien payé, je l'ai téléchargé. À pas cher, 4 euros. J'ai hésité, je me suis dit, ah, j'arrête pas d'en acheter en ce moment, mais bon, 4 euros. Et c'est un très bon jeu, vous allez voir. Nobody walks in the city of angels, but she had legs that went all the way down to the sidewalk and up the stairs to my office. She rolled inside like the morning fog, moist and mysterious, and a little bit chilly. The one look in her eyes, and I knew things would be heating up fast. I said, "What do I call you?" And she answered, "Cherry Pops." Something told me it wasn't her real name. Then she started blubbering about some cool cat named Vincent who'd split the scene, leaving Cherry with a broken heart and the kind of deep aching void only a good private can fill. Bad homme. And the closer I got to my client Cherry, the deeper the mystery got. See, Cherry danced at a mobbed up Sunset Strip joint called the Smoking Barrel, and her boss, Tony, was the one and only son of Don Luciano. Capo de Tutti. Tutti de Capi de Tutti Frutti Capo de. What? He was the West Coast Cosa Nostra boss. He was freaking bad. Sorry, where was I? Il en a la gueule. Oh, right. Anyway, turned out Cherry's massive pendulous skills had come to the attention of Kim Bong and Jim Bong Sik, proprietors of an even shadier LA flesh palace known as the Twin Dragon. So when the Smoke and Barrel's top stripper disappeared one night, Tony Luciano knew just where to look. Okay. Don Luciano prized an eye for business above his son Tony's view of the world through the sights of his gun. He'd given him the nightclub to run to get him back on the high road. But Kim Bong Sik had kidnapped my client Cherry Pops, the only human Tony Luciano had ever warmed up to. And Tony couldn't even spell negotiation. Donc on va pas négocier. Ah d'accord. All right. Je suis pas détective. Ah, je suis pas trop fan. Word of English. Tell them loopy twins you work for that I'm here for what's mine. Oh, did you hear me? I said, bring me Cherry Pops, or this Desert Eagle's gonna say it louder. One, two. Diplomacy and tolerance Oops. Weren't numbered in Tony's talents. He liked to shoot first and ask. Well, he just liked to shoot. He wasn't much for questions. Ah oui, si, ça va être bon. Hop là, le chat, le chat. Can't see these mooks. Ah, le pad. Je fais le geste avec la manette, mais c'est pas ça. Quand le réticule se décale, tenez votre manette dans une position confortable, puis appuyez sur L1 ou la touche O. Oui, ça j'avais compris, ok. But for Tony, finding Cherry on his own called for stealth and deduction. And all Tony had were a lot of bullets.
Et moi. Ah, essayez de faire du headshot, hein, ça fonctionne bien. Je pars. Indicateur de danger. Pareil. Une fois que les cannes a clignoté, l'ennemi tire. D'accord. Ouh. Hop là, merde. Il me le dit en plus. The Twin Dragons' main attraction was their famous mermaid show, but their star girl Princess Neptuna was off with what she hoped was a prince. Anyway, the club was open only to its armed employees while they auditioned a new girl, and the auditions were tanking. Ah oui, j'avais oublié la sirène. Bertha Kowalski, ex-employé au Sénat, abonné 130K. Whoa, whoa. What kind of freaky joint is this? This ain't natural. All right, you weirdo creeps! I want to see all your gun permits! Hop là. Vise mieux. Ah, dommage. Ah, merde, j'ai pas de réflexe pour recharger encore. Magique, flingue tôt ou pas? Bien. Et maintenant la touche carré ou la touche L2. J'ai oublié le vidéo Kitty, fait chier. J'ai vu au tout dernier moment. Faut que j'arrête de viser plus la tête. Quand c'est tentant. La preuve. Ah merde, le pad. J'avais oublié cette merde. Fasse gaffe, mon énergie va bien descendre. Ouh là, ça c'est gentil. J'ai oublié qu'il dégommait aussi le décor. Merde. Oh là là, je mange. Ah putain! J'ai merdé complètement. Ah, je suis pas encore dedans. C'est pas super instinctif. Hein. C'est vrai que je préférais jouer avec le doigt. En plus, je sais pas si la caméra qu'elle soit au-dessus, c'est intéressant ou pas. On va faire continuer, on verra bien. C'est à moi aussi de jouer mieux. Merde. On fait des trucs à la Jun Woo, allez. Putain. Ah putain le coup de là. Concentré. Tout ce que je m'y fasse. Je sais pas pourquoi ils ont pas inclus les moves dedans. Ils ont préféré la manette au move, je piche pas le truc. C'est
tirer sur le bonus plomo pour ralentir le temps pendant quelques secondes. Allez! Je recharge plus souvent. Ça sera plus bénéf pour moi. Un petit peu d'énergie, s'il vous plaît. Jerry! Give me a noise, baby, since I can get to where you are. Now I'm getting steam. Putain, pourquoi je peux pas tirer? Alors, d'accord. You call that service? J'ai pas tiré dans le char encore. Ah putain, le chat, le chat. Oh non, non, non. Oh, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance. Putain, recharge. Ça, ça aurait été sympa aussi, un rechargement automatique. Quand on n'a plus de balles, on recharge automatiquement. C'est tout con, mais ça fait toujours plaisir. Oh putain! Allez. Well, hello. Un fusil à pompe. Quand la diplomatie n'est pas votre truc, ouais, je préfère. Arrive à toucher le bleu. Allez, on se bat. Allez, trois. Viens par là, toi. On suit mon énergie, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Wait for sign, huh? Yeah, you'd actually have to clean this place to get it. Wait. Ils ont nettoyé. Oh putain, non, c'était le petit pad, il fallait fermer les portes. À gauche, putain, c'était à gauche. Ah, Christ. Ain't you heard of a courtesy flush? What are you looking at? Damn it. Je croyais que quand il y a entre les deux, ça va les passer. Hop là, merci. Oh là, c'était pas bon. It smells like steamed vegetables in here. Pour votre confort, nous avons désactivé les odeurs. C'est trop sympa. Take his life, kill him. Hop là.
J'avais les deux, merde. Hey, this is supposed to be a place for relaxation. C'est pas évident. Oh, this place is riding my last nerve. Il y avait deux d'un derrière l'autre ou quoi? Les trois billets, on va passer au gun. Dommage, je t'aimais bien. Putain, change comme un d'arme. Putain de merde! Oh! Putain, j'ai pas eu le temps. Putain, fallait que je recharge en plus. Putain, il y avait le slow. On va faire continuer, de toute façon c'était juste pour se remettre dans le bain. Par contre, je fais comment pour continuer? Vous êtes mignon. Ah oui, il faut que je vise. Ah oui, bah oui. Continuez. J'avais ma mèche. C'est à cause de la mèche, ça. Ah, il y avait des munitions. Oh, c'était beau ça. Je sais pas, au début j'avais une bonne vue. J'avais fait que des coups dans la tête. Keep your head up, doll. I got bigger fish to fry right now. Allez. Avec l'énergie en plus juste après, je suis libéré. Y'a pas assez de bullets dans ce putain de flingue. Sérieusement. Où est-ce que j'ai encore? Je suis encore de nouveau mal. Bartenders, you got a real bad way about it. Chaque fois c'est short quoi. C'est short. De billets sans prendre fusil. You think you can stop Tony Luciano? Ben oui. Damn it. L'anti-héros total. Oui. Faut que je tape dedans. Ah ouais, mais pas avec le fusil. Eh, mais je suis bloqué là ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allô? How many times I gotta reload this thing? Je suis bloqué. Oh non, on va pas finir là-dessus quand même, bande de cons. Ou alors c'est vraiment qu'il faut prendre le fusil à pompe, je sais pas. Putain, c'est quoi cette blague? Oh non.
Mais vraiment quoi. Didn't I just reload? Ouais, il y a un truc à... Le truc avec le pad, non, 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 non. Et ben voilà. Super. Je suis ravi de finir mon jeu sur un bug. Voilà, bah ouais. Magnifique bug, hein. Ah, jeez, I'm out again. Est-ce que je vais devoir les appeler pour leur dire bah, que votre jeu a un putain de bug? Fallait tirer dans la poutre. Raté. Oh, keep it down, all right? Putain, j'ai perdu des bullets du coup pour le fusil. Je suis dégoûté. Putain. Bah ouais. What is this now, a sword fight? She can't be down here. Cherry's strictly VIP. Tony was his father's biggest shame. Dim-witted, loud-mouthed. Bon, je saurai pour la prochaine fois, hein, mais bon. He burned every bridge he crossed and a few for his family. But next to the Sick brothers, Tony was an angel from above. Well, I never went to one of them fancy lifeguard schools, but bah, tiens, if you want out, I can get yous out. Ah là, ma belle. I never should have left politics. Je crois que t'as raison. They got cabs right on the corner. Pinaise, j'ai mis le bordel quand même. Oh là, il est loin. The Sick's true origin was shrouded in mystery, but according to my number one informant, Jim Bong Sick had a rap sheet full of murder, craft, and theft, while his twin brother Kim Bong was feared from east to west as a killer of young and old and girls. Ah merde, j'avais pas vu. Oh, so these are the real hard cases. Ah, j'ai pris les munitions, cool. Allez, le fusil. Hein. Allez, allez, allez. On se remet bien dedans. Les deux, bien. Super. Énergie, c'est bon ça. Le truc à la fin, c'est presque de savoir où est planquée l'énergie pour essayer de faire ça bien. Allez. Ok, ok, ok. Vite, 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 parce que s'il y en a d'autres avec leur chasse, je suis pas bien. Quoi? J'ai pas eu de Kitty? Ah, jeez. Oh non! J'allais vous faire foutre. J'ai pas eu mon Kitty. Décidément, je commence le jeu dans la frustration. Je n'aime pas ça. Next, petit ami de Tony. Ni petite, ni ami. Allez, belle et boum. There you are, Rachel. My client, Cherry Pops, was the very definition of a femme fatale. Feminine and, you know, fatale. The kind of dame who inspired bloodshed and heartbreak, twisting men's hearts till their pockets were empty and their eyes were full of lust. Didn't matter if they were rich, powerful, even dangerous. In the end, they'd all spill their darkest secrets.
and beg for more. Tony? Kim Bonsegbon et 97 livres, c'est plus sombre secret et en redemande. You gotta be kidding me. Ouais, c'est clair, ça n'a pas dû faire du bien. Poor guy. But thank God you're here, Tony. The Sikh brothers' goons jumped me outside the smoke and barrel just before my shift. I thought I'd never escape. Well, the day's still coming out of your check. So what's with the hardware? Is something wrong? We need something wrong. Ain't you heard the fire in the smoke? While you were in here playing Dance Dance Revolution, I had to take out half the Pacific Rim trying to rescue you. Now let's get out of here, Sweepy. We got a sunset to ride on into. Eh ben voilà. Bon. J'ai connu mieux, j'ai connu pire. Tire dans les parties, 2 tirs dans la tête quand même. 106 sur 268. Je leur avais un mort à travers la gueule. Ennemi dangereux tué, 229 sur 268. Là, c'est là que j'ai fait mes 4 étoiles. C'est pas trop moche. Bon. Le chat porte bonheur, par contre, oui. Ah, j'en ai raté quelques-uns, mais oui, il y en a 8 carrément. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, allez. On se relance une petite part. Les ennemis rapido, bah oui. This way, Tony. There's a secret elevator with the rest of Kimbong's secrets. Yeah, what kind of secrets? The expensive kind. Ah, jeez. Chacun son truc. Back here, past the curtain. If the road that led to my client Cherry was purgatory, she was now leading Tony deep into a hell from which there was no escape. Or probably it was pretty hard. Oh non, allez, j'ai vraiment envie de stopper, de me mettre sur un autre jeu, et on se retrouvera bientôt sur Blue Estate, en espérant d'être un peu moins fatigué pour essayer de cartonner un peu plus. Allez, tchuss!